Imagine getting a promotional check in the mail. You know it's not real, but have you ever wondered what would happen if you tried to cash it? All of us who throw those things away, however, are left to wonder at one enterprising young man who did not. Though the check for $95,093.35 was marked not negotiable. One man's attempt to teach his bank some manners. And I've said this to every audience hand to God. Every part of the story is true. C'est l'histoire d'un mec qui reçoit un faux chèque publicitaire de $95,000, qui l'encaisse et qui a vraiment l'argent sur son compte. Alors certes, ça sonne comme une vanne, mais c'est vraiment ce qui est arrivé à Patrick Combs. Et cette histoire, si on peut vous la raconter aujourd'hui, c'est notamment grâce à Patrick, l'homme qui a vécu cette aventure. Patrick nous a fourni énormément d'extraits télé de l'époque, il a fait une interview avec nous pendant plus d'1h30, et il nous a fourni un spectacle qu'on va regarder sur Twitch. Ce sera le 15 juin, en live avec Patrick, qui sera là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à passer, je suis régulièrement en stream maintenant, le lien est dans la description. D'ailleurs, on est en train d'aider Patrick à enlever les musiques copyrightées de son spectacle pour qu'il puisse le remettre en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, le spectacle sera bientôt dessus. Et il existe aussi une version livre et audiobook de son histoire, les liens sont aussi en description si ça vous intéresse. Ah, et aussi, je vous cache pas qu'il y aura beaucoup d'anglais dans cette vidéo, mais n'ayez pas peur, j'ai la solution pour vous, grâce au partenaire de cette vidéo. Et c'est encore une fois Cambly qui nous accompagne. C'est évidemment pour ça que j'ai un superbe accent et que vous n'irez pas commenter mes petites erreurs de prononciation dans les commentaires, n'est-ce pas ? Cambly, c'est un site qui vous permet de progresser en anglais à l'aide de tuteurs natifs disponibles 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a des cours particuliers, mais ils viennent de lancer une nouvelle fonctionnalité, le mode groupe, qui vous permet de faire des cours avec d'autres personnes cherchant à améliorer leur anglais. Vous choisissez une thématique, vous réservez un cours, et vous pouvez rencontrer et parler anglais avec des gens du monde entier. Le tout évidemment sous la supervision d'un pro qui va vous aider à vous améliorer. Encore une fois, j'ai fait 1 heure de cours pour tester et c'est vraiment cool. Sylvain, you're a YouTuber, what do you talk about? I'm making stories about hacking stuff, piracy. I love those videos. Et notre tuteur était super cool et il nous a repris à chaque fois qu'on faisait des petites fautes. Vraiment, j'ai pas vu l'heure passer, c'était super fluide et on a parlé de tous les sujets qui nous inspiraient. En plus, c'est interactif, on peut même dessiner sur les slides. Regardez-moi cet artiste, vraiment. Vous retrouverez toutes les informations en description, vous aurez même droit à 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois, mais aussi un cours particulier offert pour tester. Merci encore à Cambly et on peut passer à la vidéo. Patrick Combs passe son enfance dans un mobilhome près de San Francisco. Il vit alors avec son frère et sa mère, et globalement, ils n'ont pas trop de thunes, mais ils arrivent à se débrouiller avec le soutien de leur église locale notamment. Les années passent, on est alors en 1995, et Patrick Combs a 28 ans. Après ses études, il écrit un livre, Major in Success, qui explique comment bien réussir justement ses études. Bon, c'est pas encore la gloire pour Patrick, il roule toujours pas sur l'or, et surtout maintenant, il a une dette de $45,000 à rembourser. Mais un jour, il reçoit une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Et cette enveloppe contient un chèque publicitaire de $95,093.35. Patrick Combs, I expected to hear from you by now. Take a close look at the check above. It's a sample of the kind of money that you could soon be receiving. That is the equivalent of Monopoly money right there. C'est à l'époque du spam publicitaire assez répandu par la poste, et l'argument est toujours le même qu'actuellement, grâce à cette méthode miracle qui vous coûte environ $150, voilà l'argent que vous pourriez gagner chaque mois. Évidemment, l'entreprise qui envoie ce chèque n'est pas complètement stupide, donc elle écrit assez gros sur le chèque « Not negotiable for cash », qui dans l'idée veut dire que ce chèque n'est pas échangeable contre de l'argent. Mais plutôt que de le déchirer et de passer à autre chose de sa journée, Patrick a une illumination. Et si ce chèque lui permettait de faire une petite blague à sa banque ? Il dessine alors un joli smiley en guise de signature au dos du chèque. You should know that is not my legal signature, okay? Et il se rend à l'agence de sa banque, la First Interstate Bank, pour y déposer le chèque bidon à un ATM, un distributeur qui accepte les chèques. Et là c'est sûr, son banquier qui lui répète régulièrement que son compte est dans le rouge va adorer la vanne. C'est certain. The real intent of putting the check into the bank was absolutely a prank, is a joke. Come on, if putting Monopoly money into the ATM machine isn't banker humor, what is? I couldn't not imagine there wasn't one brain cell in my head that could think that that wasn't funny. Patrick sort de là tout fier de sa connerie et tout aurait dû s'arrêter là. D'ici quelques jours, il recevra une lettre de sa banque qui lui dit que évidemment le chèque n'était pas valide et qu'il n'a pas pu être encaissé. Et s'il a même un peu de chance, il recevra même un appel de son banquier qui lui dit que non, ta blague n'était pas drôle, Patrick. Mais 5 jours plus tard, ayant un petit peu oublié sa connerie, il se rend au distributeur pour retirer un peu d'argent. And then on Monday I realized like I am so out of macaroni and cheese, and so back down to my ATM machine I went, just hoping that
there might be some kind of money in my bank account to retrieve. So I punch in my PIN number, I ask for 40 bucks, it spits out with 40 bucks, it gives me back my ATM card, and then I start to depart and I see it out of the corner of my eye. I didn't ask for it, I don't wanna know my bank account balance, my bank account balance depressed. Holy shit! My bank account balance is suddenly exciting! The little fake check that could! Oui, la banque vient bien de créditer les 95 000 dollars sur le compte de Patrick. Alors vous vous demandez sûrement, comment un chèque bidon a-t-il pu passer? Et qu'est-ce qui se passe maintenant en fait? Eh ben c'est ce que Patrick se demande aussi. Il appelle immédiatement un pote qui s'y connaît un peu et il lui explique que tout est normal. Les fonds sont gelés, il peut pas les retirer tout de suite, mais d'ici quelques jours, ben ça va être corrigé et les fonds seront retirés de son compte. 5 days max. My bank account will be back to embarrassing. Et donc Patrick, à ce moment-là, bah, il attend. Parce qu'il n'y a que ça à faire de toute façon. Mais entre-temps, il développe une nouvelle addiction, celle d'appeler le robot de la banque qui lui donne son solde pour savoir s'il est toujours pété de thunes. Dude, it's like phone sex. Really? The money's still in my account? What are you wearing? Et au bout d'une semaine, rien n'a bougé, l'argent est toujours là. Mais vous, au bout d'une semaine, si vous aviez toujours l'argent sur votre compte, vous auriez fait quoi? Est-ce que vous auriez contacté votre banque? Parce que Patrick, lui, il va le faire. Pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Juste pour être sûr. La première fois, il va aller poser la question à la conseillère de l'accueil. Hi, I'm thinking of buying a house this afternoon. If I needed, say, I don't know, $90,000 of cash, I couldn't get that, could I? Elle lui confirme que c'est ok et que l'argent est bien sur son compte. La deuxième fois, il va prendre rendez-vous avec le banquier qui gère son compte. I was wondering if you could tell me when I'd be safe to start spending it. That's the shit that came out of my mouth. Et les nouvelles sont encore meilleures. Mr. Combs, I need to legally inform you that checks cannot come back after 10 business days, so you're safe to start spending this money because you're protected by the law. Et là, vous allez me dire, oui, Patrick peut dépenser la thune, c'est bon, il a eu deux fois la confirmation. Non. Il va alors appeler une autre branche de sa banque spécialisée justement dans le dépôt d'échecs, pour avoir la confirmation à la base que c'est ok. Et mauvaise nouvelle, la règle des 10 jours, eh ben, elle n'existe pas. There's no such thing as a 10-day law. Really, it's a 24-hour law. Oui, apparemment c'est encore mieux, c'est pas 10 jours, mais 24 heures pour confirmer qu'un chèque est bien valide. A partir de là, de ce qu'on lui dit, si l'argent a été déposé, il ne peut plus être retiré par la banque. C'est ce qu'on appelle alors la midnight deadline. Do you promise? What? The 9 criteria of a negotiable instrument? What is that? Mais le manager va également le mettre sur une autre piste. Laissez-moi vous parler de la légende des 9 critères. Qui sont tout simplement des règles qui permettent de définir ce qu'est un chèque, et surtout s'il est valide ou non. Le manager lui explique alors que même s'il y a écrit « not negotiable » sur le chèque, si les 9 critères sont remplis, c'est possible que le chèque soit considéré comme valide. Mais du coup, c'est quoi ces 9 critères? Eh bien le mec au bout du fil, ça fait longtemps qu'il est allé à l'école et là il s'en souvient plus. Et pour savoir quels sont ces 9 critères, Patrick va devoir aller dans une bibliothèque de droit. Un endroit très excitant, oui, j'en conviens. Mais pour 95 000 dollars, il peut faire le déplacement. Et c'est ainsi qu'il part à la recherche d'un livre très précis. Une sorte de bible du banquier, consacrée exclusivement aux chèques bancaires. Brady on Bank Checks, the definitive book of bank check law, by Richard Hagedorn and Henry Bailey. Popular book. 3000 pages de pur kiff. Sans images, évidemment. Mais également sans sommaire, parce que le sommaire est tellement long que c'est un livre à part entière. Et ça, Patrick s'en rend compte assez tard, ça l'énerve un peu. Sauf qu'un livre aussi précis, aussi imbitable, c'est tout simplement impossible pour Patrick d'y comprendre quoi que ce soit. And I give up. I give up. And I had $100,000 riding on this thing. Mais en prenant la direction de la sortie, Patrick détourne le regard. Et comme par miracle, il aperçoit un livre tout beau, posé juste en face de lui. Ce livre, c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler les chèques bancaires pour les nuls. Et cette fois, même pas besoin de sommaire, car en feuilletant rapidement, il tombe sur ce qui l'intéresse. La page qui va nous révéler quels sont les 9 critères qui font qu'un chèque est valide. It must say pay to the order of cha-ching. It must have an exact dollar amount, cha-ching. It must have a signature, cha-ching. It must have a date, cha-ching, 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 cha-ching. Oh my god, my check did match all 9 of the legal criteria. Aux yeux de la loi donc, ce chèque serait complètement valide. Bon, après c'est dommage qu'il y ait écrit not negotiable for cash en énorme dessus. C'est la seule ombre au tableau, c'est le seul truc qui pourrait faire invalider ce chèque.
Mais d'ailleurs, en fait, légalement, qu'est-ce que ça vaut quand on écrit « not negotiable » sur un chèque? Peut-être que la réponse est aussi dans ce livre. Par exemple, sur la page « Que se passe-t-il si on écrit « not negotiable » sur un chèque ?» Et devinez quoi? Cette mention n'a aucune valeur juridique. « Not negotiable » ne sert absolument à rien sur un chèque. Oh look, a declaration on a check that it's not negotiable is ineffective. It came as a junk mail check and I'm rich from a junk mail check. Let me see if I have this straight. You put a $95,000 junk mail check into your bank as a joke? Are we related? On vous présente le frère de Patrick, qui même s'il le prend pour un gros débile à ce moment-là, va finir par l'aider. Car son frère sait très bien qu'en un seul clic, la banque peut tout enlever et ne laisser aucune trace de ce dépôt. So you do what, bro? I'd get it in cash. Et c'est donc sur ce solide conseil financier que Patrick va faire en sorte d'aller retirer l'argent en cash. Bon, Patrick, pour commencer, il va aller se renseigner auprès d'une autre banque, histoire d'être pas trop flag, parce que, bon, il est déjà allé trois fois demander si ce chèque était valide. On va peut-être rester discret un petit peu quand même. I went into a bank and I said, hey, I'm thinking of getting $100,000 in cash. And the woman's reaction was so extreme because this is what she said. If I have the money in my account, you know, can I do that? And she goes, only criminals do that. I'm clearly not a criminal, so could I do that? And she repeats it and she goes, only criminals do that. That amount of cash would have to be delivered special to our bank by armored car. You would have to pay for the armored car service. So she goes, most people get a cashier's check because it's just as good as cash. Excuse me, but enforced van giving you cash is kind of badass. I know. I had no money at the time. I didn't want to pay for an armored car. Un cashier's check. En gros, c'est un chèque de banque, donc c'est un chèque émis par la banque au nom de Patrick. C'est-à-dire qu'il peut l'encaisser n'importe quand, et c'est carrément plus pratique qu'une mallette de pognon. Pour éviter les soupçons de sa banque de quartier, et aussi parce qu'il a un peu envie de kiffer, Patrick, il se rend dans l'agence la plus classe de la ville, de la First Interstate Bank. Il demande donc un chèque de banque, un cashier's check, de $95,093.35, soit la valeur exacte du chèque publicitaire qu'il a déposé sur son compte. La banque lui donne alors, mais qu'est-ce qu'on fait d'un bout de papier qui vaut 100 000 balles? Eh bien, on le met dans un coffre-fort, à la banque si possible, et tant qu'il est là, autant le faire dans cette agence-là. Parce que c'est plus pratique. You had this cashier in a safe in the same bank. You were playing, clearly. No, I put it in that bank for safekeeping. Well, I wasn't putting it in their bank to try and play some cat or mouse or ironic game with them. I got the lockbox that I got because that's where I bank. And in order to get a lockbox somewhere else, I would have had to open an account at a different bank. So, but it was kind of ironic. It was very ironic, but I didn't really realize that until he called me and said, "Where's the money?" Ça fait maintenant deux semaines environ que Patrick n'a qu'une seule obsession, que faire de cet argent, et aussi bien sûr, est-ce qu'on va lui tomber dessus? Car ce qui était juste une blague à la base est en train de complètement le dépasser. Il a beau tout faire dans les règles et essayer de voir si les lois sont de son côté, bah c'est pas pour autant qu'il dort bien la nuit. Mais il n'oublie pas que cet argent, bah il est pas sorti de nulle part. Donc il y a potentiellement un roi du spam publicitaire qui s'est fait couillonner 95 000 dollars et qui a qu'une envie, c'est lui briser les genoux à ce moment-là. Et c'est pas les 9 critères du livre qui vont l'aider à ce moment-là à se défendre. Patrick va alors faire la chose la plus stupide, la plus risquée, la plus insensée. Il va appeler le mec qui lui a envoyé le chèque. Association of Certified Liquidators. How may I help you today, darling? My name is Patrick Holmes, and I got the $95,000 check that he sent me, and I cashed it. And I was calling to tell him, thank you so much. I'm sorry. You're trying to tell me that you cashed the fake check? Hold for one second, please. Mr. Claus won't take your phone call, darling, but he told me to give you a very important message, and that's to have a nice day. Why does he say, have a great day? You have to think, what is he thinking? And my best guess is a combination of shock and anger with superiority, with there's no way you will ever get away with this. So you have a nice day. He never tried to reach you afterwards? Oh no, he never did. Alors à ce moment-là, Patrick trouve que cet appel qui aurait pu se passer de façon catastrophique s'est globalement bien passé.
Il sent que c'est plutôt bon signe pour lui parce que le mec s'est pas énervé, donc peut-être qu'il était même pas au courant que ce chèque était passé, manifestement on sait pas trop. Et s'il lui a vraiment pris 95 000 $ et que le mec s'énerve pas, pour le moment en tout cas c'est peut-être plutôt bon signe. En attendant les avocats, on sait pas, mais pour le moment ça va. Il l'a plutôt bien pris. Bref, Patrick va pouvoir bientôt relâcher la pression puisqu'il va partir à Boston pendant quelques semaines pour aller voir sa famille. Chaque année, avec son frère et sa mère, il s'y retrouve. Et en allant à l'aéroport, Patrick s'arrête pour retirer un peu d'argent pour le voyage. Sauf qu'à ce moment-là, il va faire une découverte plutôt cocasse. Le distributeur va refuser son retrait et avaler sa carte. Avec en guise d'explication, carte confisquée, contactez votre banque immédiatement. En pleine escale entre deux vols, Patrick consulte à distance sa messagerie téléphonique. Et il a alors trois messages qui viennent de la banque. Il rappelle alors le numéro en question. My name is Owen Persons and I'm on the case now, do you understand? Mr. Persons, okay, it's nice to meet you, sir. Hello. I'm your only point of contact at this bank. From this point forward, are we clear? You committed a crime, son. You need to come in right now and give me back that money. You're gonna catch the next flight back to San Francisco right now, and you're gonna give me back that money. What did you do with all that money? Oh, this is serious to you, isn't it? Okay, I'll tell you what I did with my money. I got my money in a cashier's check, and then I locked it in a safe deposit box. At First Interstate Bank, as a matter of fact. It's actually probably in the bank you're standing in. Are you at the downtown branch? Because it's close to you. So close, but so far. On vous présente Owen Persons, qu'on va régulièrement appeler le mec très énervé au téléphone. Parce qu'il est tout le temps énervé. Owen va alors tout naturellement lui demander la permission de percer son coffre-fort afin de récupérer le chèque. Mais vous vous en doutez, comme Patrick, s'il lui demande l'autorisation, c'est qu'il n'a pas le droit au départ de percer son coffre. Car oui, c'est le coffre de Patrick, donc si quelqu'un veut le forcer à l'ouvrir, c'est la justice qui doit en décider, pas la banque. Et encore moins un mec qui lui fout la pression au téléphone. Et il aura beau tout tenter, Patrick ne va pas céder. What you're gonna get from me is policemen at your door, young man, because you committed an act of fraud. We're talking $100,000 here. Tout ce que Patrick veut donc à ce moment-là, c'est une lettre de la banque qui lui explique pourquoi ils veulent récupérer l'argent. Parce que les pressions orales, bah ça laisse pas de traces. He did not like that answer. I'm not giving you any letter. This phone call is all I'm giving you. It is all I ever will give you. And those to me were fighting words. I need to hold them accountable to what is common courtesy. If your customers say, hey, send me a letter so that I have an official record of this, that you're requesting the money back and this is why you're requesting it back. And when they said never, then the whole thing changed. I'm not going to give up until they send me a letter. And if they never do, then they never get the money back. Bon, c'est très courageux dit bien plus tard, mais effectivement, à l'époque, il flippe un peu quand même, Patrick, hein, faut pas se mentir. Comment la banque peut être aussi énervée alors que depuis le début, il a tout fait selon les règles, après la blague, j'entends, et que à chaque fois, on lui a dit que oui, il pouvait dépenser cet argent. Patrick n'a donc pas le choix. Fraîchement arrivé à Boston, au lieu de profiter de sa famille, il va foncer de nouveau dans une bibliothèque de droit. Le but, c'est de retrouver ce livre de 3000 pages, l'affronter et comprendre les mots qui sont écrits dedans, s'ils ont un sens. Patrick, encore une fois, relit les pages sans rien biter, évidemment, sauf que cette fois-ci, il décide d'aller à la source. Il va essayer de retrouver les auteurs du livre. Ils sont tous deux professeurs à l'université de droit de Willamette à Salem. Patrick appelle alors directement l'université. Le premier, Richard Hagedorn, est en congé pendant 6 mois. Et 6 mois, c'est un peu long, là, il en a besoin tout de suite de sa réponse, Patrick. Et le deuxième, Henry Bailey, eh ben, il est à la retraite. Sauf que Patrick arrive à avoir son numéro de téléphone. Who is this? Hi, my name is Patrick. Are you a banker? No, sir. Then you're a lawyer. Oh, no, sir. Then you're some jerk from the press. No, sir. Then what in the hell are you calling me for? Patrick lui explique alors calmement la situation actuelle, comment il en est arrivé à faire un dépôt de 95 000 $ pour une blague avec ce faux chèque et les problèmes qu'il a en ce moment. Et forcément, ça commence à intriguer un peu notre ami Bailey. Patrick va alors lui parler de la Midnight Deadline. Comme quoi, si apparemment, au bout de 24 heures, la banque n'a pas refusé le chèque, eh bien, l'argent est à lui. Oh, I'm on the phone with a legal expert. I didn't realize that, excuse me. Évidemment, c'est complètement ironique. Car Henry Bailey va prendre ses rêves et tous les briser un par un. La Midnight Deadline, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas 24 heures après avoir déposé le chèque à la banque, parce que la banque, elle est pas la seule à décider si ce chèque est valide ou non. Le chèque voyage beaucoup, en fait.
Et voilà ce qui s'est passé. Patrick dépose son chèque le 19 mai. Sa banque, la First Interstate Bank, accepte le dépôt. Mais pendant que Patrick se touchait en consultant son solde, le chèque a voyagé dans une autre banque, la Chicago Bank, qui elle aussi a accepté ce chèque, ne voyant pas de problème, puis dans la Cleveland Bank, chez qui un employé a quand même enfin percuté qu'il y avait un souci, et qui a dit non à ce chèque. Ils envoient donc le refus à la Chicago Bank, qui transmet le refus à la banque de Patrick, et c'est à partir de ce moment précis que le compteur de la Midnight Deadline se met en marche. Et ça, ça change tout. Car la banque, elle s'est énervée le 21 juin. Mais si ça se trouve, elle a reçu la réponse de la banque précédente le 20 juin uniquement. Et dans ce cas-là, elle est sous le coup de la Midnight Deadline. Et donc, ils ont le droit de casser les couilles à Patrick pour récupérer leur argent. Oh, I'm sorry. You didn't understand that's how the Midnight Deadline works, did you? So how else may I help you waste time during my retirement? No other way, sir. And I bet you just told me that I committed fraud. With a junk mail check. Alors comment est-ce qu'on fait pour connaître la date à laquelle la banque de Patrick a été notifiée du refus du chèque? Parce que c'est ça qui va commencer à devenir intéressant. Et ben ça on peut pas. Ou alors va falloir aller en justice pour le savoir parce que c'est de la documentation interne entre les banques et qu'il n'y a pas de raison que Patrick tombe là-dessus un jour. It's not like your bank is ever just gonna hand this fax over to you, give you this smoking gun. So you haven't got anything here, son. Alors certes on a bien cassé le délire de Patrick avec cet appel, mais Henry Bailey, il est quand même assez curieux de savoir ce qu'il a fait de cet argent, Patrick. You got the money in a cashier's check? Did you get that cashier's check for the exact same amount of money as that junk mail check you deposited? Right down to the penny. Oh, yes sir, right down to the 35 cents. Why? Because you've got this bank by the balls. Listen, son, in the history of courts and banks, anytime a bank has issued a cashier's check for the exact same amount of money as a check they received on deposit, that court has ruled in your favor every single time for 100 years. Henry lui explique alors qu'en émettant un chèque de banque, un cashier's check du même montant que le chèque encaissé, la banque a fait la plus grosse erreur possible. La banque vient juste de confirmer que le dépôt du chèque initial était valide, et donc il n'y a plus aucun retour en arrière possible. C'est ce qu'on appelle la finalité de paiement. Alors je sais, ça fait beaucoup de hauts et de bas pour Patrick comme pour nous dans cette vidéo, donc on va prendre 2 minutes pour récapituler tout ça. Patrick a actuellement de son côté 3 personnes de la banque qui lui ont dit qu'il pouvait dépenser cet argent depuis un mois, les 9 critères qui font qu'un chèque est valide selon la loi, la règle de la finalité de paiement qu'il a eue avec son cashier's check, et le fait que not negotiable ne serve à rien sur un chèque. Et de son côté, la banque a pour le moment un mec qui crie très fort au téléphone et cette date secrète. Et ça, la banque a bien intérêt de garder cette info pour elle. Bon, bah avec ces nouvelles infos, Patrick est un petit peu plus confiant. Il décide donc de rappeler Owen Persons, celui qui lui a gueulé dessus au téléphone, mais il va le faire à 3h du mat, parce que s'il pouvait juste tomber sur son répondeur, ça l'arrangerait. Mr. Persons, this is Patrick Holmes calling. And I've thought about it, and the bank does in fact need to give me that letter. And in that letter, the bank needs to tell the truth about the mistakes that they made here. Mm-hmm. You know, see, the bank needs to be accountable for their mistakes the way we're held to be accountable for our banking mistakes. Now, the way I see it is if the bank can see fit to act decent and honest like that, take some responsibility here. You know what? It was just a joke. I can see myself giving back this $95,000. But, on the other hand, and hear me very clearly because it's a very strong hand, sir, if the bank can't see fit to act honest like that and give me that letter of truth, then I cannot see myself giving back this $95,000, which I happen to have learned is legally mine. So here's the deal. Fax the letter to my brother's house in Boston, or you're not gonna see this money again. Have a nice day. Et surprise, peu de temps après, il reçoit bien un fax. Et c'est une lettre estampillée First Chicago, donc ça ne vient pas de sa banque à lui. Ce document explique alors ce qui s'est passé, pourquoi ils ont refusé le chèque, avec un gros cercle qui entoure Not Negotiable, pour dire voilà, Patrick, si t'avais pas compris, le problème il vient de là. Et ce fax-là était envoyé par la First Interstate Bank Security Team, donc sûrement par notre ami Owen Persons, qui ne sait alors pas qu'il vient de faire une énorme connerie. Car Patrick sait très bien que Not Negotiable, ça n'a aucun impact sur un chèque. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ici, car sur ce fax, il y a une info bien plus intéressante. It doesn't start ticking. Until your bank receives a fax from another bank. And it's not like your bank is ever just gonna hand this fax over to you, give you this smoking gun.
La banque de Chicago donne la date à laquelle elle a refusé le chèque et a envoyé le fax à la banque de Patrick. Et c'est donc à partir de cette date-là que le compteur de la Midnight Deadline commence. Et la First Interstate Bank, la banque de Patrick, elle l'a pas dépassé de 24 heures ou 48 heures. Elle l'a dépassé de plus de 2 semaines. Donc au lieu de fournir une lettre d'excuse, d'explication ou même de menace, la banque vient juste d'offrir l'arme la plus puissante à Patrick s'il devait aller en justice. La preuve que la banque a merdé de A à Z. Oh yes, I can walk this into any court in the land and go, Your Honor, right here, proof that for 16 days, somebody at my bank was smoking crack. Je me permets alors d'insister sur un point qu'on n'a pas assez soulevé, le chèque n'a jamais été encaissé. En tout cas, il n'a jamais été débité de la part du roi du spam publicitaire. Et c'est donc pour ça qu'il n'était pas méchant au téléphone avec Patrick, parce que lui, l'argent n'a jamais quitté son compte. Donc en soi, entre deux, il n'y a pas de problème. Même si Patrick déteste ces trucs-là, il lui a quand même permis de gagner 100 000 $. Et c'est donc la First Interstate Bank qui a perdu 95 000 $ dans l'histoire. Tout s'explique alors, merci Henry Bailey et surtout merci Owen Persons. La banque a donc tort sur tous les points depuis le début, et Patrick a fait sans le vouloir le braquage du siècle. Maintenant qu'il a ce fax entre les mains, Patrick peut rappeler Owen et le tenir par les balls, selon les conseils de notre ami Henry Bailey. Listen, I'm going to do all the talking on this phone call, and I think you're going to want to hear what I'm going to say, and you're probably going to want to take notes on it. I understand now that this money is legally mine. Okay, 3 different ways. Check this out. Patrick réexplique alors toutes les lois qu'il a de son côté, et il le remercie en passant pour le fax qui change tout. Et il redemande alors la lettre d'excuse et d'explication, sans quoi il gardera l'argent. I like you. Perhaps we got off on the wrong foot. Owen comprend qu'il a alors en face de lui quelqu'un de calé, de borné, de chiant aussi, mais peut-être quelqu'un qui a l'air d'avoir raison. Et il est donc temps pour Patrick de rentrer à San Francisco, à la maison. Sauf qu'une fois rentré chez lui, Patrick n'a plus aucune nouvelle de la banque. Et ça pendant des semaines entières. The silent treatment is terrifying. Oh no, seriously, it is much worse than being yelled at. I'm pretty sure you thought about going to prison. Numerous times. Of course I did. Of course. Your imagination goes to the darkest scenarios. What has this bank been doing for the last month and a week? Amassing a giant legal case against me, probably? I was so 1000% convinced that what I had done was fun and funny. The first shocking moment was when I told my girlfriend that night. And I will never forget her turning and looking at me with this look like, what's funny about that? That was my first taste of other people's opinion because I had everybody telling me, just give the money back, forget about a letter, just give it back. It's not worth it. There were friends that stopped talking to me for 6 months while it was going on because they were so afraid that if they were even talking to me about it, that when I went to jail, they might be in trouble too. Oh my God, look at how much money Patrick has in his bank account. And by the end, it was, man, Patrick's gonna go to jail. Alors avant de toucher le fond, Patrick tente le tout pour le tout. C'est lui qui va rompre le silence et raconter tout ça à la presse. Il décide alors de contacter une journaliste du Wall Street Journal à qui il va raconter toute cette aventure absurde. C'est la seule façon pour lui à ce moment-là d'essayer de faire bouger les choses, que le monde entier soit au courant de son histoire. Mais 4 minutes à peine après son appel, Patrick regrette déjà ce qu'il vient de faire. The minute I got that phone from the Wall Street Journal, I called my friend and I told him what I had just experienced on the call with the journalist. I said, she's 1000% convinced that I am a fraud and a thief and that what I'm really doing is steal this money from the bank. She said it so many times on the call. She doesn't believe I just put the money in as a joke. And when that article comes out, I am going to look horrible to the entire nation that reads it. And I even called her back and said, like, look, maybe I don't want to tell this story. And she's like, too late. Il lui reste alors une dernière chance de pouvoir raconter son histoire comme il l'a vécu lui-même. Et c'est d'en parler sur Internet, avant que l'article du Wall Street Journal ne sorte, qu'il soit positif ou négatif. That happened in 1995. You were already online. Who was online in 1995? That's really early in the Internet days. Super early. But what I remember about the Czech story being online, you know, is this really great debt to Justin Hall. That guy looks exactly like Legolas. Justin Hall, c'est le premier blogueur populaire de toute l'histoire. Il tient le site links.net qui génère des dizaines de milliers de visites par jour, ce qui est énormissime à l'époque. Et coup de chance, il habite dans la même rue que Patrick à ce moment-là. Justin Hall taught me
how to build web pages. That's what he liked doing for humanity, is he was trying to start an internet revolution. I wrote the whole Czech story out on the internet, you know, made all the web pages, hand coding in HTML. Et Justin adore l'histoire de Patrick, donc il décide de la publier sur son blog, surtout si c'est pour devancer le Wall Street Journal. So you're saying this is a chance to beat the Wall Street Journal to the story? New media takes down the old media, I'm in. And he linked to it, and that's why my story exploded overnight. Et étonnamment, quand tout le monde commence à parler de Patrick et de son chèque sur internet, le Wall Street Journal se réveille. Et contrairement à ce qu'il craignait, ils ne sortent pas un article incendiaire sur lui, mais ils le présentent effectivement comme ce qu'il est, un petit blagueur qui se bat désormais contre sa banque. Et à partir de ce moment-là, toutes les chaînes de télévision des États-Unis s'arrachent l'histoire de Patrick. Patrick Combs, Patrick Combs, Patrick Combs. Patrick is the gentleman that I told you about. Well, it came in the mail, but this time it struck me that it would be funny to put it in the bank. And nobody at the bank was amused. The bank honored the check. It was everybody's fantasy. Boom. Wake up one morning and you're $100,000 richer. Patrick says he wants to give the money back. Who gets to keep the cash? 50,176 people paid a dollar to say, keep the money, man. This is David and Goliath. It's the small guy hitting the giant. Banks have forgotten that we're customers and that we want to be treated like people. This is my message to the president of First Interstate Bank. I would like to meet with you over lunch. I'm a fair, decent, honest human being, and I want to work this out with you. Don't count on that lunch, Pat. You know, and you know who was the most helpful when it got terrifying? My lifeline was the hundreds of people emailing me every day because they discovered my story online. Most of the people say keep the money because they're tired of banks treating them bad. So I would get an hour or two every day just reading the internet people's opinion on the story. And, you know, these are the greatest people on earth because they're all so freaking funny. Good for you. You've taken it this far, man. Get 'em. Et un beau jour, au milieu de tous ces emails, il en reçoit un de la part d'un certain Wally. C'est un employé de la First Interstate Bank qui ne va pas lui crier dessus, car en fait, Wally est... C'est un turbo débile. Voilà, faut le dire, il est complètement con. Mais dans le bon sens du terme, attention. Car quand l'entreprise confie un mémo aux employés qui explique qu'il ne faut plus accepter ses chèques et qu'il ne faut pas du tout en parler, même en interne, de cette histoire, eh bien lui, Wally, décide de l'envoyer directement à Patrick. Hey Patrick, it should make a lovely souvenir. Viva la revolution! He's not done yet. Wally, everybody, give it up for Wally! You didn't eat that note. No, I didn't eat the note. Dans ce mémo, comme je le disais, ils expliquent qu'ils n'ont plus le droit d'accepter ce genre de chèque. Et c'est pas si con parce que ce genre de chèque publicitaire, il y en a eu beaucoup, beaucoup en circulation aux États-Unis. According to the Wall Street Journal, the junk mail king who mailed out these accidentally real $95,000 checks mailed out over 40 million of them to North America. 40 million. You don't get it. What did you do with yours? Neener, neener, neener. Alors tout ça fait beaucoup de bruit dans le pays, Patrick devient une petite star à l'époque, mais il y a bien quelqu'un qui reste encore silencieux. Et c'est toujours la banque. Jusqu'au jour où... Ding dong, voici 50 pages de plainte signées First Interstate Bank. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, Patrick il n'est pas très effrayé par ce qu'il reçoit. Parce que Henry Bailey, l'expert en chèque, il lui avait expliqué que si la banque doit tenter un tout pour le tout, ce sera une sorte de grosse liasse de documents qui font bien peur juridiquement, mais qui n'ont aucune valeur. Ça voudra dire qu'ils n'ont plus rien à perdre, une sorte de barreau d'honneur pour faire flipper Patrick. Sur la plainte, il y a un numéro de téléphone, et vous commencez à connaître Patrick. Lui va toujours au front, donc il va y aller, et appeler ce numéro en question. Il va alors faire connaissance avec Bernard Meyers, le directeur juridique de la banque. Et comme d'habitude, il demande une lettre, et comme d'habitude, il se fait incendier. Patrick Combs... What a pleasant surprise to hear from you right now. And no, we've decided that we're not going to give you any letter because we're content to just see you in court, son. Here's the thing. I think you misunderstand something. I will use every single penny of that $95,000 to fight this in court to prove that I'm legally right, and it will be a major public embarrassment for First Interstate Bank. Do you understand that? I know that you believe you're legally right, son. But how do I explain this to you in a way that you'll understand? You're dead wrong.
You're dead wrong about the laws. How do I know you're dead wrong? Because sitting on my desk is the only book that matters in banking law. It's called Brady on Bank Checks by Richard Hagedorn and my friend, Henry Bailey. I'm so glad you brought up that book. Now, here's the thing, sir. You might find this interesting because my friend Henry Bailey and my lawyer Henry Bailey believes that I have you by the balls, to quote him. So let me ask you, do you want to phone him up and tell him he's wrong? Or do you want to just meet him in court and make that assertion? Mr. Combs, I don't see why we can't get you that letter. Est-ce que la banque est en train de capituler? Après tout, un bout de papier qui dit « pardon, on s'est trompé » contre 95 000 $, c'est plutôt un bon deal pour la banque, parce que là, elle commence à être au cœur d'un bon bordel médiatique. Alors les deux hommes conviennent d'un rendez-vous. Patrick doit ramener le chèque, le directeur aura alors la lettre d'excuse. Simple, efficace. Le jour J, Patrick se rend à sa banque pour aller récupérer le chèque dans le coffre-fort. Lorsqu'il arrive au comptoir et donne son nom, la personne à l'accueil se fige. Elle part en courant, elle va passer un rapide coup de fil, et elle revient sans rien dire à attendre devant Patrick. Alors il attend quoi ? Eh bien, il attend les mecs du risk management. Apparemment, le risk management, c'est deux énormes brutes en costume qui se placent juste derrière lui. Think mercenaries who used to kill people in Nicaragua with their bare hands. L'un d'eux tient même ce qui semble être un flingue sous son bras, de manière très peu discrète. Alors certes, vu leur carrure, ils pourraient briser chacun des os de Patrick pour le plaisir, mais ils sont juste là pour s'assurer que la transaction se passe bien. C'est donc sous bonne escorte que Patrick se rend à la salle des coffres. Et pas besoin de chercher son coffre pendant 3 heures, car la banque a eu une attention toute particulière à son sujet. Ils ont mis une grosse croix rouge dessus, pour que Patrick puisse facilement le retrouver. Évidemment. Il insère sa clé et récupère le chèque. Sauf que sur place, entouré des deux montagnes de muscles, la personne de l'agence lui dit de remettre le chèque immédiatement. Patrick refuse, c'est pas ce qu'il avait convenu. Il ne traitera alors qu'avec Myers. L'employé s'énerve, mais après un petit coup de fil, Myers accepte de le recevoir au siège social de la banque. You just gave me permission to leave your bank? Wow, this just gets better all the time. Et c'est donc escorté par ses deux nouveaux meilleurs amis que Patrick se rend à la rencontre de Myers au siège social de la First Interstate Bank. Les deux grands gaillards le laissent prendre l'ascenseur parce que je pense pas qu'ils rentrent tous les trois dedans. Sauf qu'arrivé en haut, l'ambiance n'est pas vraiment meilleure. On pourrait même dire que l'ambiance est glaciale dans le bureau du directeur juridique. Patrick a bien son chèque et Myers a bien la lettre entre les mains. Mais il tente quand même un dernier coup de bluff. Et il explique qu'il s'est renseigné à propos d'Henry Bailey. Yeah, I figured out you're bluffing, Patrick. I looked him up. Bet you didn't think I'd do that. He's retired, son. Mais Patrick ne lâche rien encore une fois, car il a été bien préparé par Henry Bailey. Il lui a expliqué que s'il ne sortait pas de la banque avec la lettre d'excuse ou avec le chèque, Henry Bailey les attaquerait directement en justice, à la minute même où il sortirait du bâtiment. Myers finit par capituler et lui tend la lettre d'excuse en échange du chèque. Et à ce moment-là, on peut le dire, il a gagné. I pick up my check and I look at it for the last time and I'm like, goodbye 95 grand, it was nice to have you. Rendez-vous bien compte qu'on parle quand même d'un client qui a reçu 95 000 $ et qui les rend alors que c'est légalement à lui. Et ça c'est quand même classe de rendre l'argent. Bah c'est pas ce que pense le directeur juridique, c'est pas classe pour lui ça. Il va inviter cordialement Patrick à fermer son compte, parce que bon, on n'a pas forcément envie de vous garder comme client, monsieur Combs. Bizarre. Sauf que Patrick à ce moment-là est à découvert de 17 $. Et Myers demande donc à Patrick de faire un chèque immédiatement pour clôturer son compte. Il lui fait alors un chèque dans les règles de l'art en écrivant « not negotiable » en haut à droite, et un petit smiley triste, parce que quand même, il a passé des bons moments avec cette banque Patrick. Mais en 6 mois, Patrick a eu le temps de faire le tour de toutes les règles de sa banque. Il sort alors son dernier coup de casse-couille ultime, qui est que vu qu'il a désormais une lettre officielle de la banque expliquant qu'ils ont fait une erreur, eh bien il a le droit à 5 $ en guise de garantie de service parfait. Une fois un automate ne marchait pas, il a demandé 5 $ et on lui a donné 5 $. Sauf que cette offre, bizarrement, elle vient d'être retirée il y a quelques temps, c'est ce que lui apprend Myers, parce que ça coûtait trop cher à la banque. Effectivement, s'il gère tous les cas comme ça, on peut comprendre. Myers ouvre alors son portefeuille, lui tend 5 $ de sa propre poche. He looked up, he started shaking his head, he looked up and he said, you are a piece of work. Si ça coûte 5 $ de finir cette histoire, c'est bon.
Vas-y, viens, on n'en parle plus. It's settled, and that to me is a victory, 100%. Et heureusement que ça se finit enfin. En fait, cela faisait plusieurs semaines que Wells Fargo, une grosse banque américaine, devait finaliser le rachat de la First Interstate Bank. Sauf que l'histoire de Patrick, devenue un scandale public, bloquait complètement la transaction. Et la semaine d'après, la First Interstate Bank n'existait plus. Et si vous vous dites encore, le mec aurait clairement dû garder la thune, c'était à lui, ben on vous comprend. Sauf que Patrick, lui, il en a fait un livre, il en a fait un spectacle, et tout ça, ça a changé sa vie. Bien plus que s'il avait gardé l'argent. When I turned it into a show, I made millions of dollars doing that. But I do know in my personality that if I had kept the money, something in me would have been a little ashamed. And that little bit of shame I would never have been able to turn it into a show. They think, "Oh, you gave back 95,000." I said, "But I made millions." Like, so it was a good trade in the end because I had to create a show. But the greatest joy was that I got to go around the world for 15 years and delight people with the story. Bon, Patrick s'est un petit peu emballé à ce moment-là, il nous a envoyé un mail juste après pour nous dire qu'il avait gagné 1 million au moins avec tout ça, mais au moins, vous savez. Patrick a donc fait le bon choix à ses yeux, après avoir commis le braquage du siècle sans même le vouloir. Tout ça à cause d'une blague qu'il voulait faire à sa banque, à qui il aura dû tenir tête malgré toutes les pressions qu'il a eues. Tout ça pour leur apprendre les bonnes manières. What was the... your mother's reaction in the end? I couldn't be happier to tell you my mom's reaction. It's the most poignant moment to me in my entire experience. And this is in the show. It's one of my favorite parts in this show. So I phone her up, I tell my mom everything, and verbatim my mom goes, "Oh son, for $95,000, they'll kill you." And my mom meant it. And I could hear suddenly in my mom's, in that single sentence and how scared she was for me, that banks and messing around with rich people's money was a terrifying thing to do. So then I got her laughing about it. I said, "Oh mom, I was gonna spend it and buy you a car." And she was like, "Well, spend it." Oh, that was quick, she flipped. So that was it for my mom's first reaction was, my mom would never tell me to not do something because I never did anything terrible. But she'd try and warn me. The most poignant moment I had with my mom was, we had been together on the East Coast for a couple weeks while it was really thick and dark and, you know, with the bank, you know, it was one of the worst times. And then it was time for me to fly home. And my mom and I were sitting in the airport side by side. You have to know my mom. You know, my mom's a very little education, barely made it out of high school, but incredibly wise. And so we're sitting on a bench and she knows that I'm basically flying back into the den of the beast, really scaring people. I'm flying back and she can't protect me and my brother can't protect me. And so I'm gonna be against them on my own. And the last thing she says to me is she goes, "Son, I'd never stop telling you to do things like this because if you stop taking risks, your life gets really boring." And it really meant the world to me. I think that's who my mother was in a nutshell, is she wanted us to be brave or courageous or risky. She did not want us to live in fear. And another principle that I believe deeply in is never let fear win. You let it win in one part of your life, it starts taking over every part of your life.